Non, bon, on a toujours quelque chose à dire. Il y a pas mal d'heures de travail. Ouais, plus de 200, mais... Il y a combien de kilomètres de film? Là, il y a 12 kilomètres. Et là, j'ai remonté tout ce qui est coiffure. Ah, je l'ai vu. Tout ça, bien, c'est pas pareil. Tout ce qui est pignon, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Salut, c'est moi, je m'appelle David. Pas mal de choses qui ont changé, mais des gros travaux cette année, c'était la toiture. Elle... Ah, ça, c'est... Regardez, moi, attention. 6 000 euros d'année. Il faut qu'il vienne donner un coup de main à ma fille. C'est quand même normal que les coiffures de... Pareil, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est pour ça. Tu dis merci. Tu vas aller voir l'oreille. Oh, il est difficile, ce gosse. Bonsoir Clément. Bonsoir. C'est reparti pour une nouvelle édition de la Maison Illuminée. Oui, tout à fait. On est reparti pour 5 semaines d'illumination, de ce soir jusqu'au 9 janvier, de 17h30 à 22h. C'est depuis combien de temps que vous faites cela? C'est la 10e année consécutive, et avec 4 grosses années, on va dire, depuis ces 4 dernières années. C'est combien de temps de travail tout cela? Là, j'ai passé 250 heures. Et une grosse course contre la montre cette semaine, puisque je suis en retard. Si vous deviez donner quelques chiffres par rapport à toutes ces illuminations... Là, c'est... je suis à 12 km de guirlandes électriques, 4 km de câblage, donc on est autour de 16 km au total, et une soixantaine de sujets, type les petits bonhommes qu'on voit par terre dans la partie banquise. C'est plus fort que les autres années encore, hein? Disons qu'il n'y a pas beaucoup plus d'éclairage, mais il y a des changements, c'est-à-dire que la façade de pignon sur le côté de la maison est complètement neuve. Toute la toiture a été changée de couleur et améliorée, ainsi que le sapin derrière. Ce qui vous fait le plus plaisir, je suppose, c'est de voir les gens qui sont très nombreux à venir. Bah, de base, je le fais pour mon plaisir à moi, mais voir que les Morihuas et même les habitants alentours sont contents, c'est une satisfaction en plus. Vous êtes d'accord, quelque part, vous semez de la magie à Moreuil, hein? Ouais, on me le dit souvent, ouais. Bonsoir Céline. Bonsoir. Vous venez tous les ans voir cette maison illuminée, oui, hein? Oui. Rendez-vous 18h le 1er décembre, on est toujours là, et tous les soirs, après l'école, je dois faire le tour de Moreuil pour venir voir. C'est magnifique, c'est trop beau. C'est super travail. Vous êtes ébloui en regardant ce spectacle? Ah oui, j'ai l'âge que j'ai et en fait je redeviens toute petite. Je suis super contente. Bah, ça fait plaisir quoi. Ça remet de la chaleur. Avec le Covid, tout ça, les gens sont un peu fatigués. Ils redonnent de la joie. C'est magnifique, c'est trop beau. Clément, les grandes nouveautés de cette année, elles se situent notamment derrière vous. Hein. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est l'une des grandes nouveautés de cette année. Après l'ensemble de la toiture. Et une partie du sapin qui a été renouvelée en nouvelle guirlande. Un sapin qui atteint quelle taille? Mais là, il fait 9 mètres. Ah, c'est impressionnant tout ça. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous venez pour la première fois voir la maison illuminée de Clément? Oui, tout à fait, on en a entendu parler. Donc on est venu, habitant à Moreuil depuis cette année, on est venu voir le spectacle avec la petite. Qu'est-ce que vous éprouvez en voyant ce spectacle justement? Oh ben de la magie, on a notre enfant qui fait waouh devant la maison, du coup on a un peu la magie de Noël qui revient et tous nos souvenirs à l'époque. Moi j'adore tout ce qu'il fait. Il te demande si tu aimes bien. Et puis il avait mis tu la musique bien de... Oui. Oui, votre fille dit oui en hochant de la tête. C'est ça, elle dit oui. Du coup, les lumières qui sont super jolies. Et du coup, bravo monsieur qui fait ce décor sur Moreuil, c'est très joli. Merci beaucoup. Merci. Clément, votre engagement pour la Maison Illuminée, c'est un engagement de toute une année, hein? Oui, c'est 10 mois et demi par an, c'est-à-dire que là on remballe jusqu'au mois de mars. Ensuite, après on démarre les commandes qui finissent mi-mai, quelque chose comme ça. Après, ben, on a un petit mois et demi de battement et on commence à ressortir les caisses, les plans et on redécore pour être prêt pour le 1er décembre. Et on le voit derrière vous, parfois il y a une file d'attente qui se crée, hein? Oui, bon, ben, les voisins sont pas trop contents, mais ça dure qu'un mois, hein. Je suis content d'offrir quelque chose aux gens, mais c'est un boulot que cette année je pourrais peut-être pas me permettre avec la dernière année de BTS. Voilà.